Votre randonnée dans les bois a pris un peu de retard et il fait déjà nuit noire. Vous n'y voyez pas grand-chose, à part deux lumières rondes et jaunes. Voilà qu'elle bouge. C'est une chouette. Et elle ne semble pas apprécier que vous soyez sur son territoire. Voici comment survivre à une attaque de chouette. Les chouettes sont des chasseuses, et c'est tout à leur honneur. Elles ont toute une technique de préparation. S'étirer, lisser et nettoyer leurs plumes font partie de leur rituel. Elles nettoient même leur serre avant de partir à la chasse. Les chouettes sont des créatures carnivores. Elles ont également une excellente vision dans l'obscurité, ce qui leur permet de vous voir même si vous ne les voyez pas. Et elles ont une ouïe très fine. Il existe de nombreuses espèces de hiboux, et l'une des plus dangereuses est le Grand Duc d'Amérique. Ils ont des touffes de plumes caractéristiques sur leur tête appelées aigrettes. Et ils sont connus pour attaquer les randonneurs. Les grands ducs peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m de long lorsqu'ils déploient leurs ailes. La force de leur serre est égale à la morsure d'un gros chien. Et ils peuvent transporter des proies qui font 3 fois leur taille. Comment chassent-elles sans bruit? Pourquoi votre casque audio pourrait faire de vous une cible? Et pourquoi pourriez-vous aller en prison en vous défendant? Étape 1. Écoutez attentivement. Lorsque les chouettes repèrent leur proie, elles attaquent depuis une branche élevée en ayant attendu le bon moment. Elles ont des caractéristiques spécifiques qui leur permettent de planer silencieusement dans l'air. Leurs plumes ont des bords dentelés comme un peigne. Cela leur permet de réduire les turbulences créées lorsque l'air s'engouffre au-dessus de leurs ailes lorsqu'elles volent. Leurs plumes peuvent aussi atténuer le bruit de ces turbulences. Il est donc difficile de les entendre, ce qui fait d'elles des expertes en chasse. Mais comme elles ne mangent pas les humains, elles vous feront savoir qu'elles ne veulent pas de vous en émettant des sons. Elles essaieront de vous faire fuir en sifflant, un bruit semblable à celui d'un chat, ou en faisant claquer leur bec. Étape 2. Ne portez pas de chapeau. Certains objets que vous pouvez mettre sur votre tête peuvent faire croire aux chouettes que vous êtes une proie, notamment un casque audio, un chapeau flashy ou vos cheveux en queue de cheval. Si votre couvre-chef bouge comme une proie, la chouette sera plus susceptible de vous attaquer. En 2019, un Canadien effectuait une randonnée en Colombie-Britannique lorsqu'une chouette lui a volé sa casquette. L'animal a pris le chapeau, s'est posé sur une branche d'arbre et a continué à fixer l'homme. Ce dernier a secoué l'arbre jusqu'à ce que la chouette lâche le chapeau, mais elle l'a ensuite attaqué jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Étape 3. Emporter un parapluie. Si vous prévoyez de faire une randonnée dans une zone fréquentée par des chouettes, il vaut mieux vous préparer. Emportez un bâton avec un morceau de tissu ou un parapluie. En cas d'attaque, placez le parapluie sur votre tête. La chouette pourrait le cibler et laisser votre tête tranquille. Mais fuyez son territoire aussi vite que possible. Étape 4. Ne touchez pas à leurs petits. Les bébés chouettes quittent leur nid avant de pouvoir voler. Parfois, ils restent couchés sur le sol. Donc si vous voyez une petite boule mignonne et duveteuse sur le sol, ne vous en approchez pas. Ce n'est pas une chouette abandonnée. Le parent est probablement en train de la surveiller de près. Il est donc préférable de laisser l'oisillon tranquille, car les chouettes sont très protectrices envers leurs petits. Étape 5. Ne les tuez pas. Si vous entrez en contact avec une chouette, faites de votre mieux pour écouter et comprendre ses signes agressifs afin d'éviter toute attaque. Mais si elle commence à foncer sur vous, ne la tuez pas, même si vous êtes blessé. Ce sont des oiseaux protégés. Et vous pouvez être condamné à 150 000 euros d'amende et à 3 ans de prison, conformément à l'arrêté de 1999, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire français. Vous avez suivi ces étapes et survécu à l'attaque d'une chouette sans la tuer. Bravo! Mais en parlant d'oiseaux, pourriez-vous survivre à l'attaque d'une autruche? Ses pattes sont assez fortes pour tuer un lion. Eh bien, découvrez nos conseils ici, dans Comment survivre.